Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Hier, on vous racontait cette histoire complètement loufoque des centaines de bagages retrouvés dans un entrepôt à Pointe-aux-Trembles et qui appartiennent à des personnes qui ont voyagé avec Royal Air Maroc. Marc-Antoine, on apprend aujourd'hui que l'aéroport de Montréal a convoqué le transporteur aérien au cours des dernières semaines. Oui, voilà, Véronique, elle l'a même convoqué à plusieurs reprises. C'est ce qu'on apprend au cours des toutes dernières minutes via une déclaration par écrit offerte par l'aéroport de Montréal qui nous confirme effectivement qu'il y a eu plusieurs convocations sans succès avec ce transporteur aérien lié à des questions de service à la clientèle. Également, l'aéroport de Montréal qui dit avoir sorti des bagages d'un des bâtiments de l'aérogare au cours des dernières semaines en raison d'un nombre trop volumineux, mais aussi des enjeux de salubrité, des odeurs nauséabondes qui se dégageaient de certaines de ces valises, qui a forcé donc l'aéroport à sortir ses valises d'un bâtiment de l'aérogare. Après ce que vous avez vu hier dans le reportage, des valises qui ont été entreposées dans un centre de liquidation dans le secteur de Pointe-aux-Trembles à Montréal, c'est de la responsabilité du transporteur aérien Royal Air Maroc. C'est ce transporteur qui a pris cette décision. Vous l'avez vu hier et on vous présente des images, des centaines de valises qui ont été entreposées là sans avoir procédé au suivi avec les propriétaires. Oui, Marc-Antoine, en parlant de ce transporteur, il disait là, avoir effectué plusieurs changements dans le fonctionnement. Oui, alors qu'on attend toujours une communication officielle de la part de ce transporteur aérien. On a tout essayé au cours des dernières heures, toujours sans réponse. Vous l'avez dit, depuis le 11 janvier dernier, le transporteur aérien qui confirmait avoir certaines perturbations liées à l'acheminement des bagages via un communiqué de presse, d'y avoir fait un changement de dispositif de contrôle important qui entraînait certains retards. Ça semble toujours être le cas. Et il existe des recours pour les voyageurs. Oui, effectivement, certains recours, évidemment, grâce au règlement de protection des passagers aériens, mais aussi la Convention de Montréal. Écoutons un conseil. Pour les retards de bagages, on a jusqu'à 7 jours pour remplir cette déclaration-là. Pour les pertes de bagages, on a jusqu'à 21 jours. Donc, évidemment, nous, on conseille toujours aux voyageurs de le faire directement lorsqu'on est sur place. À l'aéroport, comme ça c'est fait, les délais sont respectés et on peut par la suite s'adresser directement au transporteur pour aller faire une demande ou passer par des firmes spécialisées comme Vol en retard. Si c'est refusé, ben là on peut toujours se retourner vers les différents offices. Au Canada, on parle de l'Office de transport du Canada pour aller contester la réponse ou la non-réponse reçue par le transporteur aérien. On continue de suivre la situation pour vous cet après-midi, Véronique. Quelle histoire. Merci beaucoup, Marc-Antoine. À plus tard.